Écoutez bien. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bonzo. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Salut, c'est Monsieur Mon, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est pas un Belge, mais deux Belges. Donc j'accueille Xavier de la chaîne BLX. BXL. Ah, salut, c'est Monsieur Mon, bienvenue sur ma chaîne. Alors ici, c'est une intro. Donc la vidéo a commencé, mais je tenais à faire une petite intro pour vous dire merci à tous les abonnés, donc à tous les fans de Monsieur Mon, la team Monsieur Mon. Ah ouais, ce serait bien ça, la team Monsieur Mon. Merci à la team Monsieur Mon pour vos messages de soutien. C'est vrai que je finis beaucoup à l'hôpital en ce moment, donc ça veut dire la personne. Donc j'ai un YouTuber qui est venu me présenter son vélo, vous allez voir dans quelques instants. Mais je tenais à vous préciser pourquoi est-ce que la vidéo a pris du retard, parce que tout simplement, déjà je fume pas beaucoup, vous savez bien, j'ai rien à présenter ou autre, mais bon, en général les vidéos, vous savez bien, c'est sur ce qui rentre dans ma vie, ce que je vous partage, mais je vais pas vous partager tout le temps quand je vais à l'hôpital, ça crée quoi. Et en fait le youtubeur est venu, donc un youtubeur belge, et le lendemain, tout simplement, je savais pas faire la vidéo parce que j'étais pas bien, faire le montage. Je me suis dit, je vais la faire le surlendemain. Et là, ben non, c'était encore pire. Donc, j'ai fini à l'hôpital. Je suis resté 2 jours quasi. Je suis ressorti. Je suis reparti encore un jour à l'hôpital. Et puis, ici, je suis rentré il y a pas longtemps. Et je commence à aller un peu mieux avec les antibiotiques et tout ça. Mais c'est pas la forme. Hein. Voilà, c'est un mal encore. Je suis fragile, des intestins et tout ça. Et voilà, il n'y a rien à faire. Ça va aussi, comment vous dire, à la prostate, donc ça s'enflamme, j'ai de l'infection, et voilà quoi. En gros, c'est toujours sur ça, quand c'est pas ça, c'est migraine ici, à l'œil, qui me fait souvent aller aussi à l'hôpital. La migraine est tellement forte que, voilà, et la migraine est due à j'ai fait une thrombose il y a longtemps, donc voilà, en gros, quand je finis à l'hôpital, c'est pour ces choses-là, et c'est pas réjouissant, mais bon, on fait avec. Donc, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, vous pouvez mettre des commentaires, surtout des commentaires, ça fait monter l'algorithme de YouTube. Donc, ça, c'est important. Et n'oubliez pas aussi, abonnez-vous, partagez, likez. Bon, allez, j'arrête de faire ma papote. Encore un grand merci et je vous laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti. Salut, c'est Monsieur Mon, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est pas un Belge, mais deux Belges pour changer. Et je suis en compagnie de Xavier de la chaîne BXL. E-biker. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc, il est venu exprès pour me présenter son petit bolide, un Super 73. Ouais. Mais franchement, il est customisé. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais il déchire. Voilà. Merci. Et ça fait combien de temps que tu l'as en fait? Maintenant, ça fait 4 ans. 4 ans que je l'ai, ouais. Okay. Et chaque année, je l'ai changé un tout petit peu, tu vois. Ouais. Il y en a qui le font directement tout, mais moi, j'aime bien de changer tous les années un tout petit peu. Et tu sais un peu parler des modifications? Je filme mais... Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, comme tu vois, les garde-boue, ça vient de Forti Custom, c'est de Hollande, ça vient de Jasper. Ah ouais. D'origine, ils ne sont pas comme ça, parce que le carbone, c'est moi-même qui l'a fait. Tout ce qui est en carbone, c'est folie, tu vois, c'est collé dessus. Ça, c'est moi-même qui l'a fait. C'est pas d'origine, donc si vous avez envie de customiser, alors vous allez au Forti Custom. D'Hollande. Ah c'est ouais. Comme la plaque de devant, c'est aussi changé, c'est aussi customisé. C'est en alu. Ah ouais, on le sent que c'est ouais, alu. Ouais. Ouais, ouais. Les garde-boue sont en plastique. Ouais. Okay. Le ouais. Phare est pas mal. Hein. Ouais, ça vient aussi de là. Ah, ça vient et aussi le de jaune, là. C'est moi qui l'ai fait parce que d'origine, c'est blanc. Ah ouais, c'est blanc. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et comme le guidon n'est pas d'origine non plus, c'est le low right. Tu as 3 différents. Tu as un middle way et alors un height way aussi. Ok. Comme ça, t'es plus haut. Ouais, voilà. Ça, c'est le plus bas, en fait. C'est ça fait bas. Style ouais. Racing. Ben moi, il faut dire ce qui est. J'adore son bike. La seule chose que je suis pas trop fan, c'est les guidons bas. J'aime bien les guidons un peu plus haut, pas trop haut non plus. Vraiment, tu vois, ouais. Les deux. Ouais, parce que depuis le début, d'origine, il est vachement haut et oui. Bien assis droit. Voilà. Ici, pas, mais... Et je remarque aussi tout. Que tu as mis une capsule. Ouais, de mort subite. Extra. Ouais, c'est une bière que j'aime bien. Et alors, pourrais-tu me parler aussi de la platine ici? Ouais, en fait, ça c'est une boîte avec de la lumière dedans. Donc, j'ai laissé fabriquer les plaques de devant, oui. Laissé découper en laser. Et le boîte même, je l'ai construit moi-même en taille pour mettre entre. Et dedans, il y a des LED pour le soir, en fait. Et j'ai une petite télécommande. Mais dans la journée, tu vas voir moins, je pense. Oui, ça c'est logique. Mais c'est toujours essayé pour voir. Tu vois? Légèrement. Oui, voilà, légèrement. Vous voyez.
Oui, on voit, on voit. Donc, mais je sais aussi faire des hautes lumières, tu Ah vois. oui, là on les voit. Là, on le voit mieux, Je sais pas tu si vous vois. allez voir, mais. Si tu fais de l'ombre, Oui. le soir, ça flash, hein, ça Ah flash. oui. Oui. Donc, et Mais ça, c'est. je m'amusais avec dans les rides de soir, en fait, Ouais, tu vois. ben c'est pas mal. Et t'as mis des repose-pieds et une platine à Ouais. l'arrière, comme sur Ouais, les ça c'est. motos. Ouais, parce que quand je vais faire des rides, je mets mon petit porte-bagages que Ah j'ai, ouais. mon petit sac, Ouais. comme j'ai employé comme sac à dos, mais j'aime pas trop, tu vois. Alors je Oui. préfère que c'est derrière, comme ça je suis plus libre. Ok, d'accord, ouais. Et là Bah, je il est mets pas mes mal. affaires dedans, il y a pour les crevaisons, à boire, Oui, tout. voilà, ouais, il y a tout. Mais ce qui est bien, c'est que je remarque, c'est qu'il a le souci du détail. Ouais. Voilà. Vraiment, tu as le souci du détail. C'est un bike, franchement, depuis le début qui me suit et que moi je le suis, je dis toujours, ce Super 73, il est terrible. Enfin, ça, c'est. Sur tous les Super 73 que j'ai vus, il est terrible. Ça, c'est. Je sais pas pourquoi le tien, avec le jaune. Moi, à Ouais, ça l'époque, flash. j'ai été voir un parce que je voulais acheter un. C'était le rouge. Ouais. Et j'étais tenté. La seule chose, c'est que, je ne sais pas si tu confirmes, les pédales ici, la manivelle des pédales est plus courte que des pédales Ouais, d'origine. elles sont plus courtes. Ouais. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai changé la cassette ici dedans. J'ai 3 dents en plus, donc ça fait un petit pédale moins dans le vide. Oui, on pédale moins dans le vide. Il y Oui, en c'est a vrai. qui le font encore plus grand, Oui. mais je trouve que ça ressemble à pas grand-chose. Ben oui. Non, moi, j'ai remarqué que voilà, je pédalais un peu dans le vide à la façon d'un petit singe. Ouais. Et quand j'ai voulu l'enlever, ben quand j'ai voulu l'acheter, pardon, je freinais et le feu stop n'allait plus. Ouais. Et l'homme m'a dit qu'il y avait un problème de connexion et qu'il avait tenté de jouer à Super 73 pour lui envoyer la nouvelle pièce, mais la pièce n'arrivait pas. Ça faisait déjà plus de 2 mois qu'il attendait. Ouais. Et c'est ça que Ouais, mais j'étais pas chaud pour. Super Voilà. 73 Hollande, c'est fini, hein. C'est, Ah, ouais. ouais, ben je pense que c'était de là qu'il l'avait acheté en Il y fait. a encore toujours le truc de mécanicien, mais quoi vendre, c'est online en fait. Et comme la selle, ça c'est fait à la main, ça vient d'Anvers, d'un Ah autre ouais. magasin. Ouais. Ben oui, c'est vrai que c'est pas la même salle donc. Non, je voulais aussi en carbone, c'est lui qui m'avait dit, ouais, si tu veux, j'ai une selle avec du carbone, ça irait bien avec ton vélo. Ben oui, parce que tu as le Donc, souci du détail, carbone, carbone, carbone. Même ici, regardez les pipettes. ouais. Ouais, c'est moi-même qui l'a fait. Pas si vous voyez bien. Voilà, on voit bien. Ben, il y a déjà pas mal de pièces dessus. Les étriers de frein Ouais, d'origine? Ou tu as les disques, tu modifié? veux dire. Le disque ou les étriers, je Ouais, sais les pas. disques, j'ai changé, en Tu as fait. déchangé les Ouais, disques, ouais, mais ça les veut dire. étriers, c'est d'origine. C'est d'origine des Ouais, Magura alors. de Magura, et celui-là, je l'ai, c'est le dernier pièce que j'ai changé, en fait, sur le Des vélo. 203 mm? Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Hein. Ouais. Alors, j'ai la plaque d'ici devant, pour la pluie, parce que celui-là d'origine, c'est de la merde, Ah pour ouais. être honnête. Et j'ai pris celui-là de AliExpress, le Ouais. Mocho, je sais plus comment ça Mais on s'appelle. achète toujours des trucs de chez AliExpress un jour ou l'autre. Ouais. C'est. Comme les poignées aussi, je les ai Ben aussi achetées là-bas, mais ouais. je Ouais. les ai découpées, tu vois, parce que c'était un peu. Je voulais faire quelque chose de De différent différent. de Ben, quelqu'un c'est un d'autre. style, hein, franchement. Ben Moi, j'aime bien. Honnêtement, ça me dérange pas. En plus, encore le détail, il a mis Super 73 Dedans, derrière. ouais. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Et même là, il a mis. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Le rendu, il est pas mal. Il a vraiment un bike super. Et alors, ben, en fait, mon ami Xavier est venu ici Ouais. pour me présenter son vélo, pour un peu se voir, pour un peu papoter, bien sûr, comme d'habitude. Bah Nous, ouais. les Belges, c'est comme ça. Et en même temps, ben, je lui montre mon petit DU qu'on m'avait envoyé. Comme ça, il va un petit peu l'essayer comme ça. Ouais. Et ça nous fait du contenu pour notre chaîne et de l'humour. Et voilà. Tout La à seule fait. chose qu'on ne fera pas, au malheur ou au bonheur des Français, c'est qu'on ne va pas parler avec des raviers de frites. Au cas où, on précise, hein, parce qu'on est belge, qu'on est tout le temps dans les frites. Hein. Parce que je sais bien que je vous vois venir, hein, là. Je vous vois venir. Hein. Et là, on va voir le passé. Eh ouais. Et là, franchement, on va le voir avec sa couleur. On va le revoir avec sa couleur ralentie. Ça tue trop. Ça tue trop. Regardez ça. Regardez ça comme ça tue. Et là, tu es en jaune, là. Ouais, Ah ouais, ça tue. ça va avec le reste. Hein. Ouais, ça va avec le reste. Il n'y a rien à dire. C'est stylé. Bon, sur ce, on va continuer notre ride. Bon, ben voilà, on se retrouve comme d'habitude derrière le camping-car que je trouve stylé. Je trouve que ça le fait bien pour la fin de la vidéo. N'est-ce pas, Xa? Voilà. Et ben, le mot de la fin, merci à lui d'être venu. Parce De que rien. le chemin est quand même là. Et abonnez-vous à sa chaîne, surtout. N'oubliez pas BXLI.
biker. Voilà, excusez-moi, faut toutes les fautes. Voilà, je suis pas habitué. N'oubliez pas d'aller sur sa chaîne, abonnez-vous surtout et likez parce que franchement son vélo il vaut la peine et il fait des chouettes rides. Donc suivez ses rides, ça vaut le coup. Bon, sur ce, à la prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez. Allez, bye bye. Bye bye.